Le Crotoy, baie de Somme, village de pêcheurs depuis toujours et station balnéaire depuis plus d'un siècle. Colette et Jules Verne ont vanté l'ensoleillement de cette plage du Nord, orientée au Sud. Son climat tempéré et frais, 12 degrés en moyenne annuelle, bien arrosé toute l'année, inspire Pascal Lefebvre. Ce chef de 38 ans s'est installé ici en 2005. Sa cuisine de saison, simple, inventive, a été repérée par tous les guides gastronomiques. Je cuisine essentiellement les produits de la mer, mais surtout les produits de la baie de Somme, donc, qui sont également les produits du terroir picard, de notre proprement dit de la région. 8 mois par an, il met à l'honneur la Saint-Jacques de la baie de Somme, dont la pêche n'est autorisée que du 1er octobre au 15 mai. La coquille Saint-Jacques, c'est un produit qui peut être travaillé de plein de manières possibles. On peut la manger crue, on peut la manger cuite. Quand on la cuit avec un petit peu de beurre pour la laisser un tout petit peu prendre une jolie couleur, elle va prendre un petit goût de noisette. Les 1000 façons de préparer la Saint-Jacques, Pascal compte bien en faire le tour. Et quand son restaurant est fermé, il aime faire goûter à ses voisins de nouvelles recettes inspirées de la cuisine des marins-pêcheurs. On va la cuisiner assez simplement, avec quelques légumes des maraîchers du coin, surtout la Juliette des Sables, qui est une pomme de terre locale. La Saint-Jacques va être cuisinée avec simplement une cuisson assez rapide dans du beurre, parce qu'on est dans le Nord, et dans le Nord, il faut du beurre. On va faire une sauce avec les barbes de Saint-Jacques. Tout ça reste relativement très simple à réaliser, et une recette de saison et très goûteuse. Locavore convaincu, Pascal fait 80% de son marché chez des producteurs locaux. Ces coquilles, il va les chercher chez Martial et Joseph, marins pêcheurs au Crotoy depuis des générations. Depuis quelques années pourtant, l'ensablement de la baie les oblige à faire partir leurs deux bateaux du Tréport à 40 km d'ici. Bonjour Joseph, c'est Martial. Ça va? Ça va, ouais. Vous avez gardé mes coquilles? Okay. Ouais. Je vais prendre une vingtaine de kilos. 20 kilos, hein. D'accord, ouais, pas de problème. Avec les barres, si possible. Avec les barbes, comme ça, pour voilà. Fumer. Pour mon fumé, c'est super. La barbe, c'est ça. La barde, c'est la barrière protectrice un peu visqueuse qui entoure le mollusque. Et maintenant, regardez comment Joseph s'y prend pour décoquiller la Saint-Jacques. Vous l'écartez et vous grattez bien au-dessus, comme ça. Vous enlevez le... Vous coupez bien au ras du mouer et vous grattez en dessous. La pêche à la Saint-Jacques reste tributaire des intempéries qui font fluctuer son prix. En baie de Somme, on la trouve cette année à 6 euros le kilo, qui une fois décoquillée ne représente que 5 noix dans l'assiette. Et dès qu'on s'éloigne du littoral, le prix du kilo atteint les 9 euros en période de mauvais temps. Cet hiver, c'était un hiver dur pour nous. C'était beaucoup plus le mois d'octobre, c'est les vents du sud-ouest, puis du vent fort, assez fort, voire très fort. En baie de Somme, on a pas, les bateaux qui étaient restés par ici, ils n'ont pas pu aller. Vu que les vents du sud-ouest, il n'y a pas d'abri, il y a mauvais temps aussitôt. Quoi. Cette semaine, ça fait, on va dire, 15 jours que le temps à peu près propice qu'on arrive à sauver les marées. Retour en cuisine. C'est parti pour la réalisation de notre petit plat 100% baie de Somme. Après avoir haché menu oignons et échalotes, Pascal coupe les carottes en rondelles. Cuites à l'eau, elles finiront en mousseline. Il a prévu aussi un écrasé de pommes de terre, mais pas n'importe lesquelles, des Juliettes des Sables. Là, les pommes de terre, on va les cuire en robe des champs, c'est-à-dire dans une eau départ à froid, salée, bien salée, et on va les laisser monter en température, et la cuisson, voilà. Pommes de terre des sables, donc ils poussent pas dans le sable, c'est dans une terre très sablonneuse. Alors, maintenant, on va cuire les pois gourmands, donc on va les cuire comme des légumes verts, donc c'est-à-dire dans une eau bouillante très salée, quelques minutes et on va les retirer dans une eau froide pour fixer la chlorophylle et garder bien le légume vert et croquant. Reste maintenant à détacher les noix des Saint-Jacques. Et le corail, la glande génitale du mollusque hermaphrodite, on la mange ou pas? La partie mâle, ivoire, on la jette. La partie femelle, orangée, est comestible. Mais notre chef, lui, s'en passe. La technique est d'attraper la petite partie blanche, qui est un petit peu plus dure, qu'on appelle le cartilage. Et voilà, on fait tourner la peau et la noix vient toute seule. Notre chef confectionne un fond de sauce avec les bardes. Rincés et égouttés, il les mélange à un oignon doré dans du beurre salé avant de les recouvrir d'eau. 30 minutes après, il filtre le fumet sur un lit d'échalotes rissolées. Un peu de crème, du sel, du poivre et on mixe. Deux petits pistils de safran, voilà, qui vont bien infuser dans la sauce. Et on va éviter de faire bouillir la sauce. On va juste la laisser chauffer pour faire infuser le safran. On peut bien sûr remplacer le safran par une pincée de curcuma.
Après les avoir égouttés, Pascal rissole ses noix de Saint-Jacques, d'abord dans de l'huile d'olive, pour colorer, mais ce n'est pas tout. On va mettre le beurre salé. Le beurre, c'est plus pour enrober un peu la noix pour qu'elle ait un bon goût. Alors, on va volontairement les laisser d'un côté un peu plus longtemps pour avoir une belle couleur. Et quand je vais les retourner, on va les laisser très peu de temps de l'autre côté, comme ça, ça va éviter une surcuisson. Un peu de cerfeuil et une rondelle de betterave pour la touche printanière. Et c'est prêt. Et voilà les côtés. Ah, et voilà. Alors, si vous aussi, vous souhaitez préparer cette recette de coquilles Saint-Jacques à la maison, il vous faut pour 4 personnes 20 coquilles Saint-Jacques, 1 kg de pommes de terre, 2 carottes, 2 échalotes, 1 oignon, 2 pistils de safran, 250 g de beurre salé, 200 g de crème fraîche liquide et de l'huile d'olive.